Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, salle de bain en Tadlact. J'ai fait des enduits Tadlact chez mon frère. Donc, j'ai déjà fait la première partie à gauche. Là, le pendure qu'on voit en blanc est déjà fait. Et là, l'enduit est rouge. Et après, notre partie au-dessus de la baignoire. Mais allez, c'est parti. Donc, je mettrai la formule du tas de l'acte que je fais moi dans la description. Donc des petites gâches, l'enduit prend assez vite, de l'ordre de une demi-heure. Donc j'applique, je taloche, je lisse, et après je repasse avec du savon noir derrière et une lisseuse plastique. Là, la lisseuse, hop. L'épaisseur de l'enduit fait à peu près 5 mm. Là, je fais des petites corrections avec une toute petite langue de chat. Quand vraiment j'ai des petits trous que j'ai pas réussi à lisser avec lisseuse, je corrige avec ça. Les photos, avec les photos c'est un peu plus rapide. Je sais pas ce qui est le mieux, je m'amuse quoi, je regarde un peu. Et donc là, le lendemain, le week-end d'après, je sais plus, j'ai continué la partie au-dessus de la baignoire. À droite, on voit le haut de la cabine de douche qui est déjà faite.
Et voilà, fin de l'application de l'enduit. Et bientôt, la salle de bain va être terminée. En gros, c'est mon frère qui a fait son meuble de salle de bain. Vous allez voir après, donc la cabine de douche, avec les deux petites tablettes intégrées. Donc, tout en tas de l'acte. Hein. Sauf le bac à douche, c'est un vrai bac à douche, un receveur. Donc, voilà, les tablettes, le tableau, la baignoire. Le rouge du fond. Et voilà un peu le boulot. Et puis bon courage pour vos travaux. À bientôt, ciao ciao.